il y a 10 ans. J'ai transporté une valise pleine d'argent provenant de la drogue. Une fois. Elle t'avait informé tout ça? Non, elle a omis de mentionner qu'elle couchait avec une lesbienne commandant un réseau international de trafic de drogue. Imaginez ma surprise. Tu as été lesbienne? Oui, je l'ai été. J'arrive pas à me faire à l'idée que tu entres en tôle demain. En prison, pas en tôle. Tu m'autorises à pleurer? Non. Je t'aime tant, chérie. Je t'aime aussi, Léonard. Yes, mon fiancé. Ah ouais, ça va pas durer. Double, on dit, qu'est-ce que t'as fait, raconte. J'ai lu que c'est une question à pas poser. T'as étudié la vie en prison? Mademoiselle Chapman, vous n'aurez de problème avec personne ici, sauf si vous les cherchez. Chocolat et vanille, torsadé. Je peux avoir un chewing-gum? Désolé, je peux pas en donner. Ce serait considéré comme un traitement de faveur. Les autres penseraient que j'ai un faible pour toi. C'est pas le cas? Ils veulent bien me laisser sortir. Non, tu te fous de ma gueule. Testez. Le seigneur. Oui. Putain, mais dommage que je puisse pas mettre ça sur YouTube. Écoute, je vais te le dire comme je le sens, Chapman. Tu as tourné Dieu en ridicule. C'est à lui que tu dois demander pardon. Tu dois régler tes affaires avec lui. Monsieur le Christ. Affaire. Il a le droit de nous espionner tout le temps comme ça? Ce gars-là fait ce qu'il veut. Bien. Tombe au mauvais moment pour venir te saluer, on dirait. J'aime pas que vous vous fassiez discrète, mais je ne veux plus que vous excitiez les autres détenus avec ce genre d'histoire. Tu comptes m'ignorer encore longtemps? Tu es celle qui a volé ma vie. On est bien obligé de se côtoyer puisqu'on est là toutes les deux. Fous le camp, fiche-moi la paix. J'ai une femme. Quoi? Une épouse de prison. Fous le camp, poufias. Cette fille, c'est ma femme. Je vais te découper en rondelles. Je suis pas ta femme. J'ai lancé ma part de tarte pour te défendre. L'être humain n'est pas fait pour vivre ici. Nos corps se sentent un peu seuls. Elles sont là, et elles dansent, et elles se frottent l'une contre l'autre. Vous croyez que c'est normal de violer une co-détenue en public? Seulement je viens de vous dire de fermer votre gueule. Je réponds à votre question. Emmenez-la au trou. Je jure devant Dieu que s'il me laisse sortir, je ne mettrai plus jamais à côté d'elle et que j'arrêterai de la regarder. Viens, on va juste à côté. Qu'une personne qu'elle a aimée se trouve avec elle. Il le sait. Est-ce que tu l'aimes? Oui. J'ai besoin d'un peu de temps. Parce que je suis gardien de prison et je peux faire de la tôle pour avoir eu des rapports avec toi. On trouvera sûrement une solution. C'est ton problème, papa. Remets-toi épargné, mais sur 9 mois. On m'a fait crever de faim. On m'a harcelé et insulté, tripoté et traité de Taylor Swift. Écoute-moi bien, t'as intérêt à tout me mettre de côté à la prochaine livraison. Je veux que cette espèce de fils de pute disparaisse. Faut que tu baises avec Pornstache. Je tromperai pas, John. C'est ta seule option. Mendez a simplement besoin de se reposer un peu. C'est pour nous que tu t'es envoyé, Mendez. Je l'ai fait pour nous. Il ne t'a pas violé, c'était un coup monté. T'es hors de danger maintenant. Le Spoutnik à la cuisine fournit de la drogue aux détenus. Intercepte le camion. Cherche une boîte qui porte une marque sur le côté. Donne-la à Caputo. Il t'en sera reconnaissant. Cette foutue communiste va enfin arrêter de nous faire chier! Gloria, vous êtes réassignée à la cuisine. C'est vous la chef. Qu'est-ce que vous regardez? Tasty? Tous les gens que je connais sont pauvres, en prison ou morts. Tu m'as manqué. Je suis désolée, mais je peux pas faire semblant de croire à des choses que je crois pas. Elle m'a manqué de respect. Ouais. Je vais devoir la tuer. Bonsoir, monsieur Illy.